Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui après un petit peu d'absence, mais il y a eu la rentrée scolaire. Ma fille est rentrée en 6e, donc un grand passage pour elle et un grand passage pour moi aussi. Et du coup, le lundi où elle est rentrée, j'ai été prise dans des réunions, des courses, fallait aller vite et tout. Je n'ai pas pu filmer et ensuite, quand je ne filme pas ni le week-end ni le lundi, c'est mort pour toute la semaine parce qu'après je bosse, donc forcément je ne peux pas filmer et quand je termine de bosser, je n'ai plus de lumière ou très peu, ce qui fait que comme je n'ai pas d'éclairage autre que la lumière naturelle, je ne peux pas filmer non plus. Je reviens donc aujourd'hui pour parler un petit peu de la rentrée littéraire, voir un petit peu les sorties qui pourraient me plaire et pour ça, j'ai dégainé mon magazine Bibliothéca. Je vous avouerai que j'ai déjà un peu regardé sur internet parce que quand la rentrée littéraire sort, forcément, on en parle un peu partout et quand on aime les livres et qu'on aime lire, forcément, on regarde un petit peu. Mais j'avais envie de regarder ça avec vous en feuilletant mon petit magazine et en vous parlant un petit peu des livres qui sont dedans. Certes, c'est pas tous les livres de la rentrée littéraire, c'est juste quelques idées comme ça. Et on va donc commencer. Alors, le premier livre qui me sort un petit peu quand je regarde le magazine, je suis dans la catégorie des romans français. Et va sortir La part du fils de Jean-Luc Coitalem. C'est un auteur que j'aime beaucoup. Ça paraît aux éditions Stock. On est en septembre 1943 et il aura suffi d'une lettre de dénonciation pour que dans un village du Finistère, Paul, un ancien officier colonial, est arrêté par la Gestapo pour un motif inconnu. Et il est amené à la prison de Brest, il est interrogé et il est mené vers l'enfer des camps nazis. Alors, c'est un auteur que j'aime beaucoup parce que j'avais lu certains de ses livres, dont il me semble que c'est son dernier sur Victor Ségalin. Forcément, je suis bretonne, comme vous le savez, et je viens du Finistère. Donc, quand un auteur un petit peu régional sort un bouquin, ça m'intéresse pas mal. Et je vous avouerai que celui-ci me parle assez, c'est pas vraiment ce que j'ai l'habitude de lire, mais en général, je suis rarement déçue par Jean-Luc Coitalem, donc je pense que celui-ci, je vais essayer de me le procurer. Et dans la même page, je vois un livre d'un auteur que je ne connais pas, mais dont j'ai entendu beaucoup parler, qui est Serge Chalandon, qui sort Une joie féroce aux éditions Grasset. Et je ne connais pas du tout cet auteur. Je vous avouerai que je n'ai pas vraiment regardé plus que ça le résumé non plus. Mais je trouve que ça serait intéressant de peut-être découvrir cet auteur. Si vous avez lu certains livres de Serge Chalandon, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en avez pensé. Et sur la même page, une nouvelle fois, je vois le livre de Cécile Coulon, Une bête au paradis. C'est sorti aux éditions L'Iconoclaste. Et je l'ai beaucoup vu passer sur internet. Il me tentait pas mal. Je trouvais la couverture très sympa. Et du coup, j'en sais pas plus non plus. Mais je pense que celui-ci va sortir aussi. Je l'ai déjà repéré à la médiathèque. Il est dans une autre médiathèque que celle où je travaille. Mais je vais me le faire. Je vais me le faire venir pour essayer un petit peu de le découvrir. Et c'est vrai que rien que pour la couverture, il me tente pas mal. Je continue sur la page suivante. Et sur la page suivante, il y a deux livres qui m'intéressent. Alors, j'émets un petit bémol parce que le premier livre qui pourrait m'intéresser, c'est un livre qui s'appelle Le dernier chant des cigales de Alain Delage aux éditions De Boré. Alors, il m'intéresse. Personnellement, j'aurais pas travaillé en médiathèque, je ne l'aurais pas lu. C'est pas du tout ce que j'aime lire à la base, mais ça se passe par chez moi ici dans le Var, à proximité du camp de Canjuers et tout. Et c'est vrai que du coup, ça pourrait plaire à beaucoup de lecteurs. Et je pense que si je le vois passer à la médiathèque, je vais me le prendre pour le lire et ensuite je ferai lire à d'autres personnes de la médiathèque. Sur la même page, je vois que Jean-Paul Delfino, que j'avais beaucoup aimé dans un de ses anciens romans, dont je ne me souviens plus le nom, Les Pêcheurs d'Étoiles, quelque chose comme ça,
que j'avais beaucoup aimé sort aux éditions Héloïse d'Ormesson, Assassin. Et ça parle de l'affaire Dreyfus, tout ça, et pourquoi pas? On est toujours, c'est vrai qu'il aime beaucoup tout ce qui est justement les pêcheurs d'étoiles, c'était Eric Satie, enfin, donc ça tournait autour de la musique. Là, je vois Zola, Cézanne, donc ça va tourner autour de la littérature, la peinture, c'est vrai qu'il baigne souvent dans ces thèmes-là. Je trouve ça intéressant et je me laisserai peut-être tenter. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait me tenter? Je vois que Marie-Bernadette Dupuis sort encore de nouveaux romans. Et moi, je vous avouerai que je n'accroche pas du tout. C'est pas vraiment ce que j'ai l'habitude de lire. Mais en même temps, ben, Marie-Bernadette Dupuis, ça fait partie des livres quasiment les plus réservés, je dirais, à la médiathèque, parce que y a beaucoup de personnes qui aiment ce genre de bouquin. Moi, personnellement, c'est pas trop mon truc. Sort aussi, c'est pas ce que je vais lire, mais qui pourrait plaire à beaucoup de lecteurs de justement tout ce qui est terroir, le livre d'Élise Fischer, Le vin de Pâques, paru chez Calman Lévy. Ça, c'est typiquement le genre de livre qui plaira à mes lecteurs. Alors, qui me plairait, moi? Eh ben, je vous avouerai que je vois là le Millennium 6 qui est déjà sorti. Je n'en ai lu aucun. Honte à moi, mais je vous avouerai que franchement, ça ne me tente pas du tout. Alors, je passe peut-être à côté de quelque chose, mais alors moi, c'est pas ce qui me donne le plus envie. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner vos avis. Mais même si vous me dites oui, il est super, il est excellent et tout, je suis pas sûre que ça me fasse changer d'opinion. Toujours dans mes sorties médiathèque, lecteur et tout, je vois que Christian Labori sort un nouveau livre qui est déjà sorti, puisque je sais qu'on l'a vu, je l'ai vu dans mon stock, dans Les yeux d'Anna aux presses de la Cité. Gilles Laporte sort aussi, est sorti d'ailleurs, La fiancée anglaise, également aux presses de la Cité. Ça, c'est pareil, si vous aimez tout ce qui est terroir, c'est pour vous, foncez. Alors, j'avais aussi repéré, je le vois là, c'est son premier roman, mais j'avais eu sa pièce de théâtre que j'avais beaucoup aimée. Le livre d'Alexis Michalik, Loin, paru chez Albin Michel. Celui-là, il me tente énormément. Antoine Lefebvre a 26 ans. Lorsqu'il en avait 6, son père est parti d'un coup sans prévenir, n'est jamais revenu. Un jour, il découvre une carte postale envoyée 17 ans auparavant, égarée, les hasards de la poste. Adressée à sa mère, signée Charles, prénom du père d'Antoine. Quelques mots. Je pense à vous, je vous aime. Laurent, son meilleur ami, convainc Antoine de partir à la recherche du père disparu. Anna, la sœur d'Antoine, attachante et insupportable, les accompagnera dans ce périple à la rencontre de leur passé, de leurs origines, de leurs identités. Ça me tente vachement. Ça, c'est certain que ce bouquin-là, je vais me le prendre. Franchement, rien que de lire le résumé, ça m'a vraiment donné envie. Et j'avais lu la pièce Edmond, ça y est, je me souviens de son titre, et j'avais vraiment, mais vraiment bien aimé également celui-ci. Je pense qu'il va sortir. Sur la même ligne, je vois le livre d'Amélie Nothomb, Soif. Je suis pas spécialement une fan d'Amélie Nothomb, mais forcément, ma curiosité et mon boulot fait que c'est des livres qu'on demande beaucoup et que parfois on me demande mon avis. Donc, afin de ne pas paraître trop bête, je vais le lire. Je me le suis d'ailleurs réservé à la médiathèque, donc dès qu'il arrive, j'ai mis Notre-Dame qui me l'avait demandé, je me suis mis juste après, comme ça je le lirai, mais c'est clair que Amélie Nothomb, j'avais bien aimé son dernier, alors est-ce que son dernier, je crois que c'est Frappe-moi le cœur, mais alors les autres avant, c'était pas trop mon truc. Dommage, parce que je passe peut-être à côté de quelque chose aussi, mais voilà, sans plus. Je continue dans mes pages et je suis arrivée sur toujours dans la catégorie des romans français. Je vois qu'Alexandre Seurat sort un nouveau roman, Petit Frère, toujours aux éditions Rouergue. Et j'avais beaucoup aimé La Maladroite. Du coup, j'ai bien envie de découvrir celui-ci.
Je vois sur la même ligne Sébastien Spitzer qui sort Le cœur battant du monde. Alors je vous dis qu'il sort, mais c'est déjà sorti, hein, mais c'est parce que moi j'ai traîné pour faire ma vidéo. Pourquoi pas? Enfin, ça se passe en Angleterre au 19e siècle. L'histoire d'une jeune Irlandaise qui vole, qui ment, prostitution. Bon, pourquoi pas? Mais c'est vrai qu'à la base, c'est pas trop mon truc. Mais je pense que je me laisserai tenter pour le boulot. Sinon, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Donc là, je passe dans la catégorie des romans étrangers. Et dans la catégorie des romans étrangers, je ne passerai pas à côté parce que j'adore cet auteur. La vie en chantier de Pete Fromm, c'est paru chez Gallmeister. J'adore Pete Fromm, c'est vraiment... C'est loin de tout ce que j'ai l'habitude de lire. Quand j'ai commencé à lire Pete Fromm, c'était parce qu'il fallait que je lise quelque chose de différent après avoir lu le dernier Grégoire de la Cour. Et du coup, j'avais lu Pete Fromm avec son histoire quand il est parti garder ses œufs de saumon dans les rocheuses et tout. Je m'étais dit, ça me fera le plus grand bien. Et ce roman m'a tellement plu que franchement, c'est un auteur que je vais suivre, mais avec grande attention. Et donc, La vie en chantier est sorti le 5 septembre. Et je ne regarderai pas plus de quoi ça parle parce que peu importe, je le lirai, ça pour sûr. Un Pete Fromm ne passera jamais devant mes yeux sans que je le lise. J'en ai quand même pas mal en retard que je dois lire de lui. Mais celui-ci, à mon avis, sortira très vite. Je dois en passer pas mal. Après, j'aime beaucoup les romans américains, mais tout ce qui touche aux cow-boys, aux indiens et tout, j'ai un peu de mal à accrocher. Ce qui fait qu'il y en a quand même pas mal qui sortent dans ce thème-là. Mais je vous avouerai, alors peut-être que je passe aussi à côté de quelque chose. Mais là, pour le moment, ça ne me tente pas plus que ça. D'ailleurs, il y avait le livre de Tommy Orange, sûrement. Hein. Ici, il n'est plus ici, il sort chez Albin Michel. C'est vrai que la couverture est jolie, mais moi, ça parle d'Indien. J'ai un petit peu beaucoup de mal. Par contre, il est où? Sort ou est sorti le 28 août, forcément. Aux éditions Rivage, le livre d'Andrew Ritker, Les altruistes. Et ce livre qui est juste ici me tente beaucoup par sa couverture. J'ai vraiment beaucoup aimé cette couverture. Alors, il y a deux fenêtres, il y a une femme qui rentre et il y a un homme qui regarde de l'autre côté. Je ne sais pas de quoi ça parle. J'ai vu des bons avis sur le Picabo River Book Club, un groupe que je suis sur justement la littérature américaine sur Facebook. Et j'ai vu plein de bons avis sur ce bouquin-là. Donc, je vais le lire, ça c'est sûr. Et je vérifie vite fait, mais je vois ni indien ni cowboy, donc ça devrait le faire. Alors, il y a sûrement d'autres bouquins qui vont m'intéresser dans cette catégorie romans étrangers chez Gallmeister. J'ai pas vraiment regardé ce qui sortait, mais ça m'étonnerait qu'il n'y ait que le livre de Pete Fromm qui puisse m'intéresser. On verra bien, sinon ça sera peut-être dans des sorties du mois d'octobre ou alors ils sont peut-être sortis plus tôt dans le mois d'août. Je passe au roman policier. Et au roman policier, je n'ai toujours pas lu son premier roman, mais je vais le lire avant de lire celui-ci. Me tente bien L'ombre du renard de Nicolas Feuze, paru chez Slatkin et compagnie. Ça se passe en Corse, en 1943, donc pendant la guerre. Et son premier roman était Le miroir des âmes. Je ne l'ai pas lu, donc je vais le lire et je lirai celui-ci ensuite. Si vous avez lu Le miroir des âmes, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Sort aussi chez Gallimard, enfin il est sorti depuis le 15 août quand même, chez Gallimard dans leur collection Série Noire, le livre de Jonas Beau, Le couteau, qui m'intéresse bien. Et également sur cette même page, est sorti depuis le 4 septembre, le livre de Maud Tabachnik, Jour de glace, paru aux éditions City, dans la collection donc Thriller. Je connais pas du tout Maud Tabachnik, je connais juste deux noms. J'ai entendu parler ici et là, mais je vous avouerai que je n'ai
jamais lu de livre de mode tabagique. Donc je me laisserai bien tenter par celui-ci. Je suis aussi tentée directement, quand j'ai tourné la page, par le livre de Nicolas Beugley, L'île du diable. J'avais adoré ces deux premiers romans. Du coup, celui-ci, je pense que je vais me le prendre. Il sort aux éditions XO. Juste à côté, je continue avec Robert Brinza et chez Bellefond, dans leur collection noire, son nouveau roman Liquide Inflammable. Alors rien que le titre, moi, ça me donne tellement envie. Et j'aime beaucoup Robert Brinza, j'avais bien aimé les deux premiers romans. Donc celui-ci, pour sûr, forcément, il va sortir. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de lecteurs à la médiathèque qui aiment beaucoup Robert Brinza. Et je vois ici un livre paru aux presses de la Cité qui pourrait me tenter. Enfin, tout du moins, le titre me tente. Alors après, c'est peut-être du vu et revu. J'ai pas forcément envie de lire le résumé. C'est un livre d'Alafer Burke, un couple irréprochable. Est-ce un homme, est-ce une femme, j'en sais rien. Je vois que ça se passe dans la banlieue new-yorkaise. Alors, comment dire que les romans américains sur les couples et tout, j'espère qu'il n'y a pas une disparition d'enfants ou un truc comme ça. J'ai beaucoup de mal. Alors, on va voir. Peut-être que je serai surprise par cet homme ou par cette femme, j'en sais rien. Mais du coup, je pense que je vais me laisser tenter par celui-là aussi. Je vois paru le 4 septembre le dernier livre de Jérôme Loubry, Les Refuges, paru chez Kalman Levy. Ça, c'est clair que je le lis. J'ai adoré les deux premiers romans de l'auteur. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc celui-ci, je pense même que je vais me l'acheter parce que je pense que c'est une valeur sûre. Jérôme Loubry. Juste à côté, chez Sonatine, je vois que Graham McRae Burney sort un nouveau roman, L'Accident de la 35. Celui-ci n'est pas encore sorti, il sort le 19 septembre. Et j'ai regardé brièvement, je vais me laisser tenter par celui-là aussi. James Patterson, c'est pas trop mon truc, donc celui-là, plus jamais. J'ai un peu laissé tomber hein, tout ce qui est James Patterson, Harlan Coben, tous ces auteurs un peu à succès qu'on voit partout. Moi, ça me plaît de moins en moins. Je trouve que c'est un peu surfait, dit-elle alors qu'elle est en train de lire Michel Bussy. Mais je suis pour l'instant assez agréable. Je fais une petite pause. Je suis pour l'instant assez agréablement surprise par le dernier Michel Bussy. Autant les autres avant, je trouvais que c'était un petit peu la même chose. Mais alors celui-ci, je le trouve différent. Et j'ai vraiment hâte d'arriver à la fin. J'ai vraiment hâte de savoir justement qu'est-ce qui se passe. Parce que je le trouve hyper intéressant. Si vous l'avez lu, ne me spoilez pas sur la fin. Mais dites-moi vous ce que vous en avez pensé. J'ai vraiment, moi pour l'instant, j'en suis à la moitié à peu près. J'aime beaucoup. Je pense que une fois que j'ai fini de filmer cette petite vidéo, qui à mon avis sera un petit peu longue, un petit peu plus longue que d'habitude, je vais me remettre à ma lecture du Michel Bussy. C'est tout ce que j'avais vu, tout du moins dans mon magazine pour les romans policiers. Romans science-fiction et fantasy, bof, bof, bof. Bof, 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 c'est pas vraiment mon truc. Il y a juste... Oui, mais moi, je vois Bretagne, forcément, je m'arrête. Je vois qu'il y a Le phare au corbeau de Rosen Iliano, paru aux éditions Critique. Je ne connais pas du tout cette maison d'édition, c'est de la fantasy. Je vais peut-être me laisser tenter, je vais voir. Alors, je ne vous garantis pas que j'arriverai au bout, hein, mais c'est pas vraiment mon truc. Mais voilà, ça se passe en Bretagne, et puis bon, il faut bien lire un petit peu de tout, surtout quand... Comme je vous disais, quand on bosse en médiathèque, il y a toujours des gens qui vont venir vous dire « Mais moi, j'adore la science-fiction et la fantasy. » Et là, on se dit « Bon, ben, qu'est-ce que je vais lui proposer ? C'est un petit peu la merde. » Mais on arrive toujours à se débrouiller en regardant un petit peu les avis ici ou là. Mais c'est vrai que du coup, j'ai tendance à lire un peu plus de choses et à me défaire des policiers thrillers et découvrir des nouveaux romans et des nouvelles lectures que je n'aurais jamais lues. Si je n'avais pas travaillé en médiathèque. Donc celui-là, je vais peut-être me laisser tenter et je vais peut-être le lire. Je vois que là aussi... Bon, alors celui-là, je ne le lirai pas. Mais paru aux éditions Brachlone.
Il y a un livre qui s'appelle Aurora de Kim Stanley Robinson. Rien que de lire le résumé, je pense que ça pourrait plaire à plusieurs de mes lecteurs. Donc je me le note, mais pas pour moi. Hein. Je vous avouerai que là, non. Ça, je ne le lirai pas. En roman ado et young adulte, alors moi, c'est vrai que je suis dans une petite commune, donc je n'ai pas de lycée ni de collège à côté. Mais des fois, j'aime bien regarder ce qui se passe. Je vois que Vincent Villeminot a sorti un nouveau roman. Et le résumé me tente pas mal. Ça s'appelle Ciao Bianca. C'est paru aux éditions Fleurus. Et ça me tente pas mal. La couverture. Alors, je ne sais pas si vous la verrez là bien. Parce que moi, je suis nulle pour les cadrages. Mais sinon, je vous la mettrai quelque part. Je trouve qu'elle est très sympa. Et je vais peut-être me laisser tenter par celui-là. C'est l'histoire de Mathieu qui n'a pas revu sa famille depuis le jour de ses 18 ans. Et il n'a jamais donné signe de vie, sauf que sa mère vient de mourir et elle a prévu d'être inhumée en Sardaigne. Mathieu doit aller là-bas pour l'accompagner avec ses frères et ses sœurs, des jumeaux de 11 ans qu'il ne connaît plus trop. Et c'est donc une descente en Italie qui sera une véritable aventure pour cette petite famille et ça peut être intéressant à voir, mais je pense que je vais me laisser tenter par celui-ci. Et c'est vrai que sinon, je vois que Joël Charbonneau a également sorti un nouveau roman le 2 septembre, Time Bomb. C'est également à partir de 14 ans. Pourquoi pas? Ça me tente pas mal celui-là aussi. Je vais peut-être me laisser tenter aussi par celui-là. Documentaire. Je lis très peu de documentaires. Et là, il y en a d'autres. Bon, après, voilà. Moi, tout ce qui est, je vois là, deux livres. Un livre sur le monde selon Trump et un livre sur la fin du leadership américain. Ça, non. Ça ne me tente pas du tout. Rien de bien intéressant, tout du moins pour moi. Hein. Je comprends que ça puisse plaire à d'autres. J'en ai fini avec ma petite découverte ici. J'en ai sûrement oublié plein, je sais. Je voulais juste regarder avec vous ce petit magazine. Je trouvais sympa, ça changeait un petit peu de fouiller tout Internet pour vous montrer tous les romans et vraiment tout voir. Je voulais faire quelque chose d'un peu plus cool. Pas forcément, voilà. Tout vous donner. Maintenant, vous, par contre, si vous avez des livres de la rentrée littéraire dont je ne vous ai pas parlé, qui vous intéressent, n'hésitez pas à me les mettre dans la barre de commentaires. Ça me donnera des raisons de plus de monter ma pale que j'ai quand même un petit peu vidée avec les challenges de cet été. Je vous souhaite en tout cas une très belle semaine, de belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!